J'ai validé votre urne d'archéologie, merci. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, si c'est une référence à Zelda. Bonjour. Je regarde si je peux pas avoir du fric en passant. Du fric, c'est chic. Fric, vous êtes étudiant, vous allez voir l'optique, c'est simple comme bonjour. Je vous donne votre UE si vous parvenez à résoudre un problème rudimentaire. Un enfant de 3 ans y arriverait, c'est dire. Vous allez voir, c'est incroyablement facile. Question d'optique. Un rayon part de la source A et doit terminer sa course au collecteur B. Déplacez les miroirs pour diriger le rayon vers le point B tout en activant les 6 cristaux. Oui, oui, oui. Ça, y a moyen, c'est easy, mon gars. Quoi ? Attends, déplacer les miroirs pour diriger. Ah, je peux les déplacer comme ça, d'accord. Okay. Donc il faudrait terminer par le rayon qui passe ici, en fait. Ouais. Putain, c'est compliqué. C'est quand même pas évident. Vraiment que c'était intelligent de faire ça? Non. Je veux dire, tu aurais pu faire ça tout à droite, comme ça t'aurais activé l'autre cristal en même temps. Mettre l'autre tout à droite. Ah ouais, j'avoue. Non, Non, je veux dire par là que tu... Non. C'est l'autre, ouais, à droite. Ouais, je sais, je le sais. Tu le vois, tu le vois là. Je sais. Non, c'est pas là, c'est l'autre. Casse-toi. Voilà. Mais non, oh. Ah merde, puisqu'il faut, il faut qu'il passe dans le B aussi. Ah ouais, c'est vrai. Comment pourrait-on faire un truc comme ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, en fait, le truc doit pas venir de par là, il doit venir d'en haut pour toucher le bleu et toucher le B en même temps. Alors. Ouais, on va dire que c'est bon. Si je fais un truc comme ça. Ouais. Je pense pas. Quoique, peut-être, il y a possibilité. Ça va se refléter encore sur le deuxième. Le truc, c'est que j'ai plus moyen d'aller vers la gauche. Non, et remets celui d'en bas à droite. Mets celui d'en bas à droite sur le rayon. Voilà, et puis tu mets. Et puis tu mets celui. Non, ça va pas. Ah non, vous êtes. Ah, presque! Presque, j'y retiens presque. Hein, what? Pourquoi ça marche là et pas là? C'était le même, non? Non, c'est pas possible non plus. Non, c'est de la merde ce que je fais. J'avoue. C'est compliqué. C'est très compliqué. Ouh. Ah. Ah. Non, du coup, le plagiat. C'est un plage tellement immense. On n'entend pas du tout ta manette. Non, c'est de la merde. Ah, non. Non, j'ai déjà fait ça tantôt. Je comprends pas, il y en a certains qui... C'est la même position, mais il y en a certains qui reflètent en vers le haut et d'autres vers le bas.
Alors certains c'est la même position. Ouais. Là ça dépend si je le mets... non. Non ça ouais. Dépend pas en fait. Non 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 ça va. Pas la même chose ça va. C'est pas qu'ils déconnent. Ça y a moyen, c'est easy mon gars. Ça marchera peut-être. Non. Ouais. Salaud. Putain. Tellement presque. Ouais, je crois. Bon. Ça m'emmerde un peu, mais il faut qu'on avance là. Ok. Non. Donc... non, je ne veux pas abandonner, salaud. Hein? Non, il me demande pour abandonner, mais non. Bon. Bon. Vas-y, monsieur Solus. Ok, alors. Je vais appeler les miroirs réfracteurs d'en haut, c'est lesquels? C'est ceux qui sont tournés à droite ou ceux qui sont tournés à gauche? Enfin, je veux dire que le bout en bas tombe sur le gauche ou le bout en bas tombe sur le droite, celui qui réfracte en haut. Enfin, non. À gauche. Bon, il faut un qui a le truc à droite à l'entrée, déjà. Ouais. À droite, j'ai pas. Ah oui, bah, c'est bon, à droite, c'est ça. C'est bon, c'est celui-là. Ouais. Un qui va à gauche, à côté du cristal en haut. En haut. À côté du cristal en haut ici? Non, l'autre cristal en haut. Tout en haut, extrême haut. Là ? Voilà. Il faut. Non, celui-là il était bien placé. Ah merde. Ouais. Non, celui-là aussi il était bien placé. Voilà, ils sont bien placés ces deux-là. Et celui-là, celui d'en bas, tu le déplaces à gauche. Celui d'en bas, tu le déplaces à gauche. Celui d'en bas. Attends. Celui que tu vas placer, voilà, tu le passes en bas, juste en bas, celui-là. Juste en bas. Ouais, voilà. Non, c'est pas celui-là. C'est l'autre à côté, à droite, en bas à droite. Tu le places juste à côté. Voilà. Et celui-là, tu le places à la place de l'autre que je t'ai dit en haut à droite, en haut tout à extrême haut. Oui. Très beau, tu places à la place et tu voilà. Voilà, dans ta gueule, j'y étais presque. Ouais, presque. Voilà, on a gagné. Par la puissance d'internet, je t'invoque. J'ai réussi. Bon, vous avez votre UE d'optique. Merci. Ouais, bon. On a un peu triché quand même. Mais pas du tout. On avait le copion. Bonjour, mes amis. C'est avec beaucoup de plaisir que je... c'est pas moi, hein. C'est le jeu, c'est pas moi. que je vous explique la grande peintura. Vous y voulez apprendre Didos? Bien sûr, oui, bien, évidemment. Merci, mes amis. Ah, merde. Ah, la grande peintura. Pour terminer l'œuvre, déplacez les couleurs afin qu'aucune couleur n'apparaisse deux fois sur une même ligne ou une même colonne. Les couleurs marquées dans le point ne peuvent pas être déplacées. Ok, donc ça, il y a moyen. Ça, je suis sûr, il y a moyen. Il y a moyen. On n'est pas si nul que ça, quand même. Voilà. Voilà. Ah, si, en fait. C'est là le jeu de cette phrase. Voilà, toi, tu vas là. Toi. Oh non. Non. Pas bon. Non. Le bleu est déjà pas bon. Voilà, là il est bon. Le rose est pas bon. Voilà. Ouais. Mais le bleu en dessous est toujours pas bon. Et tu le modifies avec le rouge. À côté. Déjà. Mm-hmm. Ben voilà. Ah bah. Voilà, fallait faire des trucs au pif. Bah, on a un petit peu réfléchi quand même, mais bon. Ouais. Si là, c'est ça. Vous méritez votre lieu de pintura classicas. Merci. La
Peut-être qu'il faut trouver un livre pour les gamines aussi. Ah, sérieux? Bah oui. Faut leur apporter un livre, mais je sais pas quoi. Peut-être qu'on nous le donnera après. J'ai juste pas fait gaffe, c'est pour ça. Chercher les références, en fait. Bonjour, je suis le nouveau cryptographe du Conseil des Marchands. Ils m'ont demandé d'imaginer un nouveau système de chiffrement pour sécuriser les échanges commerciaux. Je viens enfin de mettre au point un système inviolable. Souhaiteriez-vous le mettre à l'épreuve? Oui. Formidable. Si vous parvenez à outrepasser mon système, je validerai votre UE de cryptographie. Le chiffrement. Parmi les quatre symboles proposés, quel est celui qui complète la suite de symboles ci-dessous? Attends. Lalalala. Je ne comprends rien. De toute façon, là, il y a quatre propositions, donc il y a moyen d'y aller au pif. Je dirais celui avant-dernier. Je dirais l'avant-dernier. Je sais pas pourquoi. L'avant-dernier. Non. C'est pas celui-là. Ah, je me suis fail. Allez, ta gueule, relance-moi la... alors c'est pas le troisième. Attends, il suffit de compter de 1 à 6 en fonction du nombre d'éléments de l'image. A, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ah bah oui, ah bah ouais. C'est celui-là, ouais, putain. C'était un peu tordu. Quoi, vous avez trouvé? Je dois tout reprendre depuis le début, laissez-moi tranquille maintenant. Ah oui, vous avez votre UE. Ah, il doit devenir là. On a tout niqué son travail en 2 minutes. Cette bibliothèque contient tant de livres qu'il faut un classement méticuleux. Je suis responsable des archives, mais comme il est impossible de tout trier parfaitement, je porte le titre d'anarchiviste. C'est une blague qui dure depuis l'époque de l'Empire. Enfin bref, j'ai un problème de rangement qui me tracasse au plus haut point. Cela fait 3 jours que je n'en dors plus. Voudriez-vous essayer? Oui. Bien, allons-y. Classement de maniaque. L'un des livres de cette bibliothèque n'est pas à sa place. Saurez-vous trouver l'intrus? Oulala. C'est quoi le truc? Trouver l'intrus dans quoi, en fait? Dans la bibliothèque, en fait. Il n'y a pas plus d'infos. Qu'est-ce qui est visible à l'écran, tu crois? Des traits, des carrés, et il semble que dans beaucoup, il y ait 4 traits et un gros carré. Alors, un gros rectangle. Ouais. Donc il y en a un qui n'est pas... Ouais. Donc là il y en a 4, là il y en a 4, là il y en a 4. 4, il y en a 4, il y en a 4, 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 4. C'est l'épisode 4. 4. Ils ont tous 4 par d'elle. Mais non, ça doit pas être les traits alors. Mais ça peut pas être la taille non plus, ils sont tous super différents. Faudra trouver la truie dans la bibliothèque, ouais. Merci. Ouais. Et on a bien fait de compter les traits, c'était ça, mais... je vois pas, en fait, le truc, en fait, qui dit, en fait. On se casse au pied. Attends. Les traits sont pas positionnés de la même. Je veux dire, le gros carré. Oui. Dans la première rangée, les traits, il y a 3 carrés en dessous. Okay. Il y a un carré au-dessus plutôt. Dans la deuxième rangée, il y a 2 carrés au-dessus. Et dans la troisième rangée, il devrait y avoir 3 carrés au-dessus. D'accord. Et il y en a un qui a 2 carrés au-dessus. Ouais, si c'est lui là, salaud.
petit con. Voilà. Allez, donne-moi mon diplôme. Je savais quel lycée était à cause de la solution parce qu'il y a une image, mais je voulais savoir comment il trouvait ça. Enfin. Voilà ma parole, mais nous avons ce livre en triple exemplaire. Tenez, prenez-le, nous manquons de place de toute façon. Ah, voilà. 50 jeux à boire. Je sais pas si je devrais donner ça aux gamines en fait. Alors ils sont les trois suivants. Ah, bah il est là. Ouais. Je spam un peu la touche pour voir si je peux pas trouver des trucs. Et forcément je peux pas lui parler à travers de la table. Ouais. Salutations jeune homme, chercheur au service de la milice, à votre service. En parlant de service, ça vous dirait d'en rendre un ? Parfait, le conseil des marchands m'a chargé de mettre en place un nouveau système de patrouille pour la milice. J'ai pris soin de respecter les consignes qu'il m'a imposées, mais je suis convaincu qu'il y a une faille, quelque part. Attendez, je vais vous montrer. Patrouille. En partant du poste de garde X, chaque patrouille doit rejoindre l'un des 7 tours de surveillance. Ouais. Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin, mais doit s'arrêter à la 6e tour rencontrée. Ouais. De plus, elle ne doit jamais emprunter deux fois le même chemin. En procédant ainsi, l'une des tours restera toujours sans garnison. Laquelle? Et... Donc, obligé d'avoir 6. Donc, ouais, obligé d'avoir 6. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le truc, c'est que... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. Je vois pas trop le truc en fait. Je comprends pas trop le. Le truc c'est que toutes les garnisons sont prises en fait, c'est peuvent ça. Être visitées au moins une fois. Alors. Et doivent. Attends. Ouais. Je ne comprends pas. Là, je crois que je vais vraiment demander un joker directement parce que je comprends vraiment pas le truc en fait. C'est la E. La E ? Ouais. Pourquoi la E ? C'était dit que vous demandez de trouver la tour qui n'aura jamais de patrouille, en sachant que la patrouille doit passer par 6 tours avant de s'arrêter et qu'elle ne peut emprunter deux fois le même chemin. Donc, ouais, mais si elle prend le chemin de droite, elle peut aller à la 1, comme ça. J'ai pas compris. Bien vu, j'ai une dette envers vous. Alors, si vous avez des ennuis, n'hésitez pas à venir me voir. Bien, je vais préparer mon rapport au conseil. Vous avez mérité votre rue en opération militaire. Merci. Ah, mais elle est obligée de passer par 6 tours, donc tu peux pas t'arrêter à la 3ème tour, ok, d'accord. Donc à mon avis, il y a un truc qui fait que forcément tu t'auras une sans truc. Mais bon, ça me paraît un peu débile parce que pour emprunter le chemin de droite, passer par la E, et puis voilà, ouais. Et voilà, ça, je trouve que c'est un peu débile ce truc. N'avez pas le temps de bavarder, je suis très occupé. À moins que vous ne soyez disposé à m'aider. Oui. Alors voilà, tous les 500 ans, deux comètes se croisent dans les cieux. D'après les écrits, la prochaine rencontre devrait avoir lieu cette nuit. Pour rien au monde, je ne manquerai cela, mais malheureusement, j'ignore dans quelle partie du ciel elles seront visibles. Tenez, regardez sur cette carte. Rencontre stellaire. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales. Uniquement. Elles ne toucheront aucune étoile présente ni avant ni après leur rencontre. Sur quelle case se croisent-elles? Les diagonales. Ça non. Bah.